Allez, c'est parti! Escalade d'un arbre en corde fixe au cœur de Paris. Faire prendre de la hauteur pour dépasser le handicap. Nos blessés à la rencontre du grand public sur le parvis de Notre-Dame. L'association ADH, au-delà de nos handicaps, est partenaire de la Nuit du Handicap à Paris. Pas vraiment une nuit, plutôt une fin de journée. Cet événement vise à rassembler, à réunir les personnes handicapées et valides autour d'un moment de partage privilégié. ADH propose des ateliers originaux de dépassement de son handicap. Des ateliers pour changer d'angle face au handicap. En fait, c'est fortement axé sur la culture de l'association, c'est-à-dire les activités de pleine nature, les activités à sensation et les environnements exceptionnels. Donc là, effectivement, on est dans la verticalité. Il y a le transfert avec ce qu'on peut vivre en montagne. On est sur un arbre. On a un point de vue sur le parvis de Notre-Dame qui est celui du haut. Et ceux qui sont sur cet atelier sont les seuls à la voir. Et sur l'autre atelier, on est sur les mobile dreams, le quad électrique. C'est l'accessibilité, c'est l'émancipation, c'est la libération. Et c'est aussi une porte ouverte sur la pratique de la pleine nature en autonomie pour des personnes en fauteuil. Regard émerveillé, rire, un franc succès. Ces démonstrations montrent que l'on peut vivre des choses grandioses, exceptionnelles et singulières tout en étant touché par le handicap. Oui, c'était la première fois que j'en ai fait et je suis super content. C'est génial. Non, c'est vraiment bien, super. Ces activités hors du commun ont bien toute leur place dans la boîte à outils de l'accompagnement du handicap.